Ah oui, d'accord, oui, vu ça a compris. Ok. Elle était pas évidente, celle-là. Votre martialité augmente de 1 point? Comme ça, tranquillement, je prends. Invitation à la chasse de la comtesse Katsina, c'est où ça? Ah, c'est Alger. Oui, on va y aller. C'est pas très loin. Je me dis que pourquoi pas. Et blanche, non, bah non. Non, c'est pas parce que ça prend un peu de temps que on va faire une paix blanche comme ça, hein, monsieur. Rançonner cet homme-là avec plaisir. Royaume d'Ifrikaya, royaume d'Andalousie. Bon, bah, ils vont être créés à la succession, ça va être à peu près sûr. Siège de Malakorn perdu, comment ça? Mais nous. Gant de fauconnier. Non, on s'en fout. Gant de fauconnier, je m'en contrecogne. Remontez sur un canasson! La reine l'ordonne! Non, mais ça va, toi, tu t'échappes comment là? Ah, une inspiration. Ça, c'est bien, ça. Ça fait plaisir. Une arme légendaire. Alors, on a déjà une masse d'armes. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? Parce que, bon, on a quoi? On a une masse d'armes, on a une lance. On a quoi? On a tellement d'armes légendaires que... On a la masse d'armes, on a la lance. Il nous faudrait... Alors, on pourrait avoir l'arc. L'arc, la lance. Donc ça peut être pas mal, hein. Bah 150 balles. Oh, mais... Pourquoi le gars de Vienne nous file du pognon? Qu'est-ce qu'on a fait pour? On est à 63. Nouvelle atout en martialité, conçu pour la destruction. On va augmenter la vitesse de siège. Ça va me faire plaisir.
On arrive là d'ici combien de temps? 3 mois. Ouh, il y en a un qui va prendre des claques. On a même 100% maintenant. On a déclenché un catalyseur. Ouais, sûrement, ouais. Parce qu'on serait à la phase d'opportunité. C'est vrai qu'on est dans les compromis actuellement, mais on a juste un peu tabassé un des dirigeants. Donc, bon. Toi, t'es qui? Ah, mais t'étais l'ancien roi. Oui, ça s'est mal passé pour toi. Hein. La comtesse Ouraka, veux-tu bien te convertir? C'est parfait. Cher bonhomme, accepterais-tu de te convertir? 100%, ben c'est parfait. Par contre, qu'est-ce qui va pas là-dedans? C'est que la Castille est... Ouais. Ah, mais on pourrait mettre notre fils qui a été déshérité, accorder des titres. Voici pour toi, mon cher et tendre. Invité à la chasse de la duchesse. Ouais. Duchesse de Habsbourg. C'est vrai qu'elle est mariée à un duc de Habsbourg, non? Ah non, faut aller tout là-haut. Trois mois pour y aller? J'espère que j'y vais pas pour rien, quoi, c'est tout. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Le duc Étienne pour 79 balles, je prends. Vous pouvez gracier le bourgmestre. Modifier des contrats. Non. Et de mon fils. Non plus. On va le gracier parce que pourquoi pas. Trop de duchés possédés, comment ça? Duché de Castille? Ah, il est duc de Castille. Ça, on va réparer un peu des trucs parce qu'il y a un peu de bordel quand même dans nos. Allez, la panacée, on la répare. Résistance à la maladie, bonus moyen, c'est toujours bien ça. Ah oui, mais en fait, oui, on va vraiment, vraiment loin, quoi. Ça m'embête un peu, ça. Ah, une autre fille. Oh, en plus avec le trait physique avenant. Alors, mais il nous faut un autre nom de DJ féminin, s'il vous plaît. Un Ruby Rose, j'aime bien. C'est joli comme prénom. On avait déjà des Ruby Rose dans la... Oh, si, on avait peut-être déjà un DJ Ruby Rose dans la famille, je pense. Je sais plus. Je crois que oui, je suis pas sûr. Bah oui, bah en même temps, c'est le nom de notre personnage. Ça peut aider. Quelque part. Animac. Ok, Animac. C'est juste. T'as pas oublié une tarte. C'est vraiment Mac son nom de famille ou il y a Mac quelque chose? Au pire, on corrigera, c'est pas le souci, mais... Qu'est-ce qui se passe dans l'Empire? Attendez, oui, mais il a des emmerdes, lui. Guerre de revendication de Hadronikos. D'accord, ok, d'accord. Ouais, donc j'avais une partie de l'idée, mais Et toi, est-ce que tu veux proposer la vassalité? Toujours pas, y a pas envie. On est allé chercher. Je sais même plus ce que j'ai. J'ai tellement fait avec ce perso que. Si, d'accord. Vraiment sur de la guerre pure, là. Ok. Alors, par contre, lui, est-ce qu'il va nous casser les pieds ou pas?
peut exiger sa conversion. On remonte le Rhône en fait. On remonte tout à fait le Rhône jusqu'au Léman et après on traverse la Suisse. Pour aller. Oh putain, une autre lance. Mais on est à combien de lances de fous furieux? Lance d'origine catalane, on avait déjà une. Pouesse, efficacité des chevaliers. Et soldats morts ennemis. Ah, ça serait trop marrant qu'on fasse un. Enfin, trop marrant. Qu'on fasse le mix des deux, en fait. Ça serait parfait. On aurait deux lances d'origine catalane de fous furieux. Par contre, on a obtenu des reliques. Alors, est-ce qu'on peut avoir par rareté? C'est quoi ça, le crâne de Govindapala? Alors, coffret, ça c'est de la. Ça. La couronne d'épines. On calerait le crâne, là? Le crâne du seigneur bandit Govindapala, tué par l'aventurier Joseph en Sambalpur. Il a été ensuite offert au roi Luto. Ah, c'est vrai qu'on a eu ça? Il a un sourire terrifiant et des orbites vides et sans vie. D'accord, j'avais même pas fait gaffe qu'on avait ça. Ouais, mais ça donne de la renommée, ça. Ce qu'on a sur les piédestals. Après, c'est pour un 10 par mois, mais. Ouais. Bon, on est pas mal, on est pas mal. On a quelques artefacts légendaires. Quelques-uns. J'ai pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce que j'ai, je sais pas, un artefact des bouquins avec de la. Ça, c'est cartographie du corps humain, mais on s'en fout. On en a deux. D'accord. Traité catalan. Mode d'érudition. Faire de l'argent. Ça, c'est de l'intendance. Ça, c'est du diplomatique, de l'intendance. Diplomatique. Ah, on n'a pas de livre militaire. On a mieux que ça. Là, on met des pots de sanglier au mur, nous. Il y en a une qui me tire la gueule, très bien. Je m'en fous, je m'en cogne. Alors, allié au prince. Et allié à lui. Si je lui fais la guerre, vous êtes déjà dans une activité. C'est vrai que ça aide pas. En voyageant, Sigmaringen, je remarque que chaque personne travaille intensément et paisiblement, ce qui n'est pas le cas dans mon propre pays. J'interromps l'un des ouvriers pour lui demander ce qu'il en est, et il me fait part succinctement de sa sagesse. Eh bien, voyez, ce qu'il faut, c'est y mettre du sien, et ne pas s'arrêter avant que le travail soit bien fait. Tradition assidue. Augmenter de 40 de développement. Les gars, arrête de se taper dessus, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui se tape? Ah oui, parce que la Cantabrie, forcément, c'est que ça. Donc oui, le roi de Navarre est en train de lui expliquer. Enfin, le duc de Navarre est en train de lui expliquer que en fait, il y a des territoires qui sont à lui. Convertir le comté de Séville, ça a été fait. D'accord. On a quoi comme truc à convertir encore? Ah, le territoire mozarabe, il a. Ah, mais non, on ne convertit pas, on revendique. Ah, on revendique Palerme. C'est bien ça aussi.
Il y a le royaume de France et le royaume d'Aquitaine qui sont en train de prendre de pied là-bas. Ouais, d'accord. Pour une chasse aux lièvres en plus, c'est plus que banal, ouais. On a raté le lièvre se fout de notre gueule, c'est pour vous dire. Exiger des paiements. Non. Ah, par contre, on a besoin d'un digne successeur sur l'épée des plaines. Cherchez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Et vous pensez qu'on peut retourner à Cordoba pour essayer d'avoir des trucs On peut essayer en fait de retourner. Le truc c'est qu'on s'est pris tout à l'heure un flot de stress, mais monstrueux. Non, c'était pas ça. T'es bien tenté, mais c'était pas ça. Grand mariage, non. Grande tournée, non. Non, séjour universitaire. 600... Ah, mais on peut pas retourner à... D'accord. On peut pas retourner là où on est déjà été. Bon, on va aller au Vatican. Hein. Ah! Ah oui, d'accord, c'est que tout un certain nombre d'années. Bon, bah. Voilà, on se casse, c'est bon. Voilà, le pape ne veut pas de nous. Ça, c'est vrai que c'est catholique, ça. T'es catholique, toi, encore? Minorité. Ouais, j'avais mis ici plus de 600 balles. Qu'est-ce que c'est ça? Grand mariage du comte Idriss. Ouais, enfin bon. Ah, mais d'accord, je suis invité. Ouais, allez. Allez, parce que voilà. Il y a un moment. Ah, on a eu enfin un petit gars! Alors, il nous faut un nom de DJ pour ce coup. On a eu quand même trois filles, c'était plutôt pas mal. Mais là, on a un petit gars, Arnaud Mayourkid. Donc, il nous faudrait un petit nom, s'il vous plaît. Pour cet enfant-là, on va faire ça. Et assigner un tuteur. Ah, mais elle n'a pas l'âge encore. Steve Aoki, d'accord. Experte en terrain difficile. Non, malheureusement, je suis pressé. Là, j'ai pas le temps. Un jardinier, par contre, c'est pas mal.
Et on est jardinier, donc c'est même très très bien, très très bon trait. Alors, vous pouvez nommer un successeur à l'épée des plaines. Là. Ok, parfait. Oui, ça c'est cool, mais... Un éminent invité est arrivé, il fera un commandant accompli. C'est vrai qu'il est pas... Il est pas si mal. Par contre, j'ai pas regardé, mais le royaume... À noter que le royaume de Sardaigne est en train de s'agrandir. Hein. Il est en train de... Enfin, on a intégré... ce duché-là, et on est en train d'intégrer deux autres duchés, hein, pour le coup. Valence aussi, d'ailleurs, est en train d'être intégrée. On intègre du territoire. Hein. Le royaume de Piémont-Sardaigne va être grand. Hein. D'ailleurs, où est ma revendication ici? D'accord. Et lui, il a toujours 8000 troupes. Ah non, il a plus 8000 troupes là. Troupes sont en train de prendre des claques. On a encore combien de temps avant le mariage? 3 mois! Oh, mais c'est qui le gars qui arrive de l'autre bout du monde là? Et là, on me dit c'est la mariée. Ah, bah d'accord. Ça peut être utile de l'attendre. Ok. C'est qui lui? C'est mon vassal et ami. Oui, mais c'est un Majorquid, là. Il a plus de vie et plus d'argent. Ouais, il a plus trop d'argent, oui, ça on est d'accord. On va faire le mariage et puis dès qu'on a la revendication, on va y aller, hein. De toute façon, elle est en cours, la revendication, donc... À voir si on en prend une deuxième, mais... moi je... Ah, on peut choisir un tuteur. Alors, on va pas mettre nous, on va mettre Marie et Roi. Oh, un point de vie en diplomatie? C'est cool ça. Cœur de la famille, opinion des proches de la famille, ouais. Ou se lier d'amitié, ça c'est bien ça. C'est plutôt... Puis on a gagné tellement de points. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ok, ça fait des assassinats dans le dos. Bon, dans la famille, c'est normal. Allez, vas-y. Ah. Vermeer. On va essayer de faire attention, mais... Bon, ils ont bien copulé, merci à eux. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait dire, pardon. Excusez-moi. Putain, Yafar, j'aime beaucoup.
Alors, est-ce qu'on essaye une deuxième revendication ou pas? Qu'est-ce qu'il a? Il a 4800 troupes, on peut attendre un petit peu. De toute façon, c'est en train d'être pris ici, donc ça nous fera du pouvoir en plus. Ah, mais le problème, c'est qu'on est sur guerre de revendication de trône. Et guerre de revendication pour Empire byzantin. Ah oui, d'accord, les gars se battent entre eux. Et lui, il a combien de troupes? 21 000 troupes. Ah ouais, mais 21 000 troupes, là, ça, s'il vient me chercher, je suis pas bien, en fait. Ah mais j'ai quand même envie d'aller chercher Palerme maintenant. On l'a fait tout à l'heure puisqu'on a pu revendiquer. Ah ouais mais on avait la revendication sur le royaume, donc c'est vrai que je me suis pas posé la question. La tech pour. Non c'est en plus c'est niveau. C'est ici la tech pour avoir plusieurs trucs d'un coup. Pour appuyer plusieurs revendications. On est par ici. Non, j'ai pas encore droit divin, donc non, faut qu'on y aille un par un. Là, je vais pas avoir le choix. Je vais bientôt avoir les soldats de la maison. Ah, on en a une avant? Parce que tout à l'heure, j'avais la revendication, j'avais plusieurs revendications, et notamment celle du royaume de Castille. Mais j'avais aussi, j'ai pu appuyer en même temps. Non, 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 c'était pas une revendication de jure. J'ai attaqué, quand j'ai attaqué le roi de Castille, j'ai récupéré en même temps ma revendication sur le duché de Castille, ce territoire-là. Donc j'avais récupéré plusieurs revendications d'un seul coup. Après, les revendications de jure, normalement, je peux, oui, je dois pouvoir. Mais après, sur qui, voilà, si je pense, si j'attaque le pays de Galles. Déclarer la guerre. Là, j'ai le duché de Nordgau de Jure et là, j'ai que le duché. Par contre, il y a du monde en face. On dirait pas, mais il y a du monde en face. Bon, par contre, c'est en train de tout se convertir. C'est très bien. En termes de culture, hein. Il faudrait peut-être prendre la culture ici et faire que ces cultures ici disparaissent et que la culture catalane progresse. Parce qu'elle n'a pas super bien progressé pour l'instant. Un peu compliqué. Ah, ça a progressé ici, par contre, j'ai l'impression. Enfin, après, il faudrait que peut-être qu'on prenne les territoires de Jure d'autres personnes. Après, on pourrait aussi essayer de mélanger la culture bavaroise et la culture catalane. Mais je ne sais pas si on sera exclu ou pas de la lutte ibérique. J'en sais rien. Va savoir. Faut qu'on soit rentré par contre. N'est plus votre maître caravanier. Oui, j'ai perdu du monde là. Alors, qui soit timide, oui, s'il veut être timide, il est timide, je m'en fous. S'il vous plaît. Est-ce qu'on partirait pas sur une conversion? Ah mais lui, ça sert à rien, parce qu'il va, il va reconvertir derrière. Ouais, il est aux Arabes, donc on va s'en charger. Vous n'avez plus de médecin de la cour. Oui, j'ai vu ça. Et j'ai plus de maître caravanier non plus. On peut nommer des gens. Non, je suis sur. Tu as la tâche de conseiller convaincre le territoire de Jure sur lequel compter. Ah, pardon. Bah, j'ai ces deux-là et j'ai ceux-là. Donc en fait, j'ai la Castille et j'ai la Bavière. L'Ifriqiya, j'ai pas. Pourquoi il veut pas, lui?
Acceptation culturelle. Oui, bon, en même temps, tu vas te faire défoncer ta gueule, quoi. Plutôt utile si tu juges que la Bavière a trop de troupes. Bah en fait, ça me permettrait d'attaquer. C'est surtout que normalement, j'ai aussi Leutenburg qui, Leutenburg qui fait partie normalement aussi du territoire. Donc en fait, tu peux attaquer que les territoires qui sont de jure, mais frontaliers au tien. Tu peux pas faire pour le reste. Par contre, la Navarre est en train de se prendre une tannée. Ça a l'air de lui faire mal. On a la France aussi qui est en guerre. Guerre de revendication d'artefacts. Oui, si vous voulez. Bon, bah nous, il va falloir qu'on ait rentré du pays ou pas? N'est plus en prison. Vassal libéré. C'est cool. Ouais, on va se mettre là. On a des territoires qu'on peut. Ouais, mais non, je vais garder un peu d'argent. Parce que si j'augmente mes territoires tout de suite, ça, je vais peut-être pas aimer le principe. Par contre, on va peut-être attaquer lui. Parce qu'il a 21%. Déclarer la guerre. Ma revendication. Atout en martialité, vivre sur la terre. Oh, j'aime bien ça. Par contre, on va peut-être passer ici pour baisser un peu le coût. On va peut-être. Voilà. Hein, c'est bien aussi. Quand ça coûte un peu moins cher, généralement, je dis pas non. À nous, la Sicile. Bah oui, depuis le temps qu'on va la chercher, qu'on doit aller la chercher, la Sicile. Ah oui, tout de suite, ça va beaucoup plus vite avec des mangonots. C'est tout de suite mieux, hein. C'est impressionnant. Vous pouvez payer la rançon pour votre duché de Mercie.